Alors ce soir, on est là à la présentation au manège d'une première partie de l'édition 2024. Vous en attendez quoi, vous ? Une belle programmation, comme d'habitude. Donc, voir la foule qui arrive et qui attend pour rentrer dans la salle, je pense que tout le monde est impatient de savoir ce qui va être proposé. Un, en matière d'affiche, naturellement, parce que le visuel est important. Et deux, en matière de programmation, parce que ça aussi, ça va un peu lancer la saison, l'été, pour le festival. Vous, vos goûts, jadis, c'est quoi ? Vous êtes plutôt soul, vous êtes plutôt cœur, vous êtes plutôt très moderne ? Un mix de tout. Il y a certaines choses que je suis pas très fan, mais bon, ça, c'est chacun ses goûts. Mais j'adore les quatuors, j'adore tout ce qui est jazz à base d'acoustique, piano, les cuivres, etc. Et puis les big bands. Donc après, il y a des versions modernes qui sont intéressantes parce qu'on les découvre ou on les redécouvre dans cette période. Alors, bon. Avec votre timing d'élu, aussi bien au niveau de la commune, du département et puis de la métropole, enfin de l'agglomération, vous arrivez quand même à suivre tous les soirs ? Bon, pendant le festival, ça se calme un peu. Hein. Donc les représentations d'élus, le travail d'élus, des réunions, on va dire à partir du 4-5 juillet, on est beaucoup plus détendu. Et, bon, et puis, j'assiste pas à tous les concerts parce que, un, on va pas penser dans le temps, et puis de temps en temps aussi, on cherche à les patrouilles. Et puis, il y a certaines choses qu'on n'aime pas, ou d'autres qu'on préfère. Donc, j'essaie d'être présent, on va dire, les trois quarts du temps. Quoi. Mais ça, c'est pour toute la programmation aussi. Hein.